Bonjour et bienvenue sur ce tea time de Synapse. J'espère que vous allez bien. Et pour ma part, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous découvrir un peu plus encore, en redécouvrant ce qui se passe dans votre corps. Si vous êtes assise ou assis, imaginez que vous êtes allongée maintenant. Vous respirez calmement. Tout votre corps est bien détendu. Tout votre corps repose sur le sol. Vous l'imaginez reposé sur le sol, le poids du corps sur le sol. Fermez les yeux pour imaginer un peu plus ce corps qui est là, sur le sol. Les bras écartés, les jambes écartées, le dos sur le sol. Tout le dos se repose maintenant complètement sur le sol. Les jambes sont à la fois lourdes et détendues, les bras sont à la fois lourds et détendus. Tout votre corps se détend parfaitement bien maintenant, allongé sur le sol. Ce corps-là, qui est le vôtre, se repose complètement maintenant, relâche toutes les tensions, laisse de côté tout ce qu'il y a à laisser de côté. Tout se passe merveilleusement bien maintenant, car votre corps est parfaitement en accord avec votre esprit. Votre esprit peut parler à votre corps et votre corps lui aussi peut parler à votre esprit. Ils communiquent ensemble parfaitement bien, parfaitement détendus ensemble dans une sorte d'harmonie. Une harmonie naturelle, une harmonie qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans cette observation de vous-même, de qui vous êtes, de vos fonctionnements. Vous êtes l'observateur de ce corps-là qui communique avec l'esprit, votre esprit, et l'esprit qui communique avec votre corps, ce corps. Et alors que vous êtes là en train d'observer cette communication qui se fait par un échange de flux et qui peut aussi se faire par un dialogue intérieur, prenez le temps de la détente et prenez maintenant le temps de ce dialogue intérieur. Et si vous le souhaitez, votre inconscient peut intervenir dans ce dialogue entre votre corps et votre esprit. Votre inconscient qui est là, qui ne demande qu'à être présent. Et si vous le souhaitez, vous pouvez l'inviter, un peu comme lorsque l'on invite un ami chez soi et qu'on lui ouvre la porte. Et qu'on le laisse entrer. Et à ce moment-là, on est heureux de l'accueillir, on est heureux de partager ce qu'il y a à partager, ce qu'il y a à comprendre. On se met à discuter, on parle de tout et de rien. Et puis, on se sent bien et cela nous permet d'aborder autre chose, à un autre niveau, à un autre plan. On est heureux que cela se passe comme cela. Car cela, on le sait bien déjà, cela débouche toujours sur quelque chose de plus enrichissant pour nous. Et l'on comprend certaines choses aussi lorsqu'on discute avec ses amis. On peut passer ainsi des journées à discuter, comme si le temps s'arrêtait, comme si il n'y avait plus rien d'important que cela, cette discussion, cette communication profonde, ce lien qui s'établit. Un lien précieux, un lien d'amitié, un lien de compréhension et parfois de remise en question. De remise en question et parfois il y a autre chose qui se crée. Et cela nous permet de grandir, d'évoluer, d'être plus tolérant, plus tolérante, plus conciliant et conciliante.
Et on aime cela, discuter avec ses amis. Cela apporte beaucoup de joie, beaucoup de réconfort aussi. On ne se sent plus jamais seul. Et l'on sait que cette discussion-là va pouvoir, dans notre esprit, se remémorer, se reproduire. Et à ce moment-là, on est heureux de constater qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas complètement bien saisies la première fois. Et à ce moment-là, une autre conversation encore plus profonde, encore plus intéressante, encore plus enrichissante, encore plus merveilleuse sur tous les plans, peut à nouveau se rétablir, se reconnecter avec ce que l'on souhaite vraiment découvrir au fond de nous-mêmes. C'est un processus que l'on aime, c'est un processus que l'on recherche. Et c'est un processus qu'on aime mettre en place de plus en plus profondément, en ayant plus de détente, plus de réconfort et plus de sécurité au fur et à mesure que ce processus se met en place agréablement en soi. Ce corps est là. L'esprit est là, l'inconscient est là. Ils sont là pour collaborer ensemble. Ils sont là pour trouver les meilleures solutions pour vous. Et vous-même pouvez, d'une certaine façon, intervenir dans cette communication et faire une demande particulière, une demande qui vous tient à cœur, ou une demande plus inconsciente qui pourrait venir là maintenant, alors que vous êtes en train d'écouter ce qui se passe. Que dit l'inconscient? Est-ce qu'il est votre traducteur? Est-ce qu'il pourrait l'être? Demandez-lui de traduire ce que le corps dit maintenant. Très bien, votre inconscient peut choisir de vous communiquer ce que le corps dit maintenant, ou votre inconscient peut choisir de ne pas communiquer ce que le corps dit maintenant. Et que dit votre esprit maintenant? Votre inconscient peut choisir là aussi de vous communiquer ce que votre esprit dit maintenant, ou il peut choisir de ne pas vous communiquer ce qu'il dit, ou de le communiquer d'une autre façon. Il peut choisir de faire que cette communication devienne purement inconsciente entre le corps et l'esprit, uniquement dans le but de vous protéger. Voilà. Il se peut parfois que l'inconscient donne comme un cadeau à ce moment-là, lorsque la communication entre le corps et l'esprit, l'esprit et le corps, se fait parfaitement bien, et que le corps comprend l'esprit, et que l'esprit comprend le corps. À ce moment-là, votre inconscient peut vous donner un cadeau, comme une solution, ou comme un cadeau, tout simplement, que vous garderez, que vous chérirez. Laissez les choses se faire, car, vous savez, on ne demande pas un cadeau. Le cadeau arrive tout seul, comme cela, au moment où vous ne savez pas qu'il va arriver. Sinon, ce n'est pas tout à fait un cadeau. Qu'en pensez-vous? Et le corps est détendu maintenant à d'autres niveaux, encore plus profonds et encore plus inconscients. Et l'esprit peut maintenant créer de nouvelles connexions plus agréables, plus favorables à votre bonne santé.
à la bonne santé du corps qui est détendu là. Et cela vous permet de vous détendre encore un peu plus. Maintenant que vous savez cela, vous êtes parfaitement bien, parfaitement aligné, parfaitement reconnecté à tout ce qui a de l'importance pour vous, à tout ce qui est capital et important pour vous. Vous êtes bien. Votre respiration est calme, sereine, détendue. Ce qui vous permet d'aller plus loin encore dans la détente de ce corps. Vous respirez calmement. Vous entendez le silence dans cette respiration profonde. Et ce silence peut gagner chaque partie de votre corps, votre poitrine, votre nuque, votre dos, tout le dos, vos épaules, voilà. Comme cela. Laissez les choses se faire. Vous ressentez un bien-être au fond, très profond. Le silence en vous s'installe maintenant. Dans vos bras, dans vos mains, dans votre tête. Voilà, comme cela. Dans vos jambes aussi. Le silence est maintenant dans votre corps et circule. Et apporte un calme incroyable à tout ce qu'il y a en vous pour que les échanges de votre corps puissent se faire d'une façon différente maintenant. Comme si votre corps pouvait se désintoxiquer des choses dont il n'a plus besoin. Votre expire chasse ce que le corps n'a plus besoin dans ce silence profond. Et vos organes se régénèrent dans la profondeur de ce silence. Des interactions peuvent se créer d'un organe à l'autre, d'un silence à l'autre. Comme cela. Voilà. Et maintenant que cela est fait, maintenant que le silence circule parfaitement bien dans tout votre être, vous pouvez choisir de laisser venir une luminosité particulièrement douce et agréable. Une luminosité qui pourrait presque ressembler à un baume apaisant, apaisant pour votre corps et pour votre âme aussi.
Et maintenant que cela se fait parfaitement bien, vous pouvez choisir de laisser venir une parole qui vous apporte du réconfort. Une parole qui pourrait sembler à quelque chose que vous connaissez déjà et qui, à un moment donné, vous a vraiment réconforté plus que tout. Et vous pouvez demander à votre inconscient de retrouver ce mot, cette parole ou cette phrase qui était enfouie et qui est maintenant enfouie dans votre cœur. Votre inconscient la retrouve. Votre inconscient la communique à votre corps, à votre esprit. Il se peut que vous l'entendiez. Cela ressemble à de l'amour inconditionnel. Cela ressemble à quelque chose qui est encore plus grand que vous. Cela ressemble à quelque chose qui est à un autre niveau. Cela est rassurant d'entendre ce mot-là, comme la parole d'un ami, un ami qui est là pour vous. Alors que tout cela se met en place parfaitement bien, et alors que tout cela va continuer au fur et à mesure des jours et des nuits et des semaines, et aussi des années, cela va s'installer et cela va vous permettre de laisser de côté ce qu'il y a à laisser de côté. Cela vous permettra de ne laisser entrer ce qui est important pour vous. Et cela vous permettra de garder en vous et d'être attiré par tout ce qu'il y a de positif autour de vous et dans ce monde. Et cela vous donnera peut-être l'envie d'aller rechercher encore plus autour de vous ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a d'enrichissant à récupérer, à observer, à étudier, à analyser, à prendre en compte pour votre bien-être. Pour que votre vie soit parfaitement en adéquation avec ce que vous souhaitez, en adéquation avec ce que vous recherchez, le bonheur, la joie, les joies partagées, les joies d'être ensemble. Et peut-être que lorsque vous serez dans cet état-là, plusieurs fois par jour, vous remarquerez ce silence bienveillant peut-être qui circule encore en vous. Et ce qu'il vous dit, est-ce que cela sera de la joie ou toute autre chose? Amusez-vous à le découvrir et amusez-vous à le déguster comme on pourrait déguster un fruit mûr, cueilli, gorgé de soleil. Et prendre plaisir comme on aime prendre plaisir à goûter un fruit mûr. Car cela nous rappelle tant de bonnes choses, tant d'expériences, de détente, de bien-être, de plénitude.
Et alors que vous êtes en train de vivre cette expérience-là, peut-être êtes-vous déjà en train d'avoir envie de goûter ce fruit bien mûr, ce fruit gorgé de soleil, ce fruit qui vient juste d'être cueilli, et vous plonger dans cette expérience agréable. Vous êtes de plus en plus maintenant connecté à votre respiration, au bien-être que votre respiration vous procure. Vous profitez de votre respiration. Vous êtes parfaitement connecté à votre respiration, ce qui va vous permettre de revenir à un état de conscience ordinaire. Et vous pouvez aussi demander à votre esprit d'être de plus en plus connecté à cette respiration pour revenir de plus en plus et avoir de plus en plus le désir d'aller à un moment donné croquer dans un fruit bien mûr. Vous pouvez ouvrir les yeux si vos yeux sont encore fermés, ou vous pouvez même les ouvrir encore plus grands si vos yeux étaient ouverts. Encore plus grands, vos yeux ouverts pourront regarder la beauté de ce monde, ce qu'il y a à retenir, ce qu'il y a à apprécier dans ce monde. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde et je vous souhaite aussi de continuer à découvrir qui vous êtes et tous vos fonctionnements incroyables qui vous mèneront à beaucoup de sérénité et à des richesses en abondance. Merci et à bientôt. Et n'oubliez pas, synapsez-vous.